Hop, si ça couvre, voilà, on va juste faire ça. Alors, comme du coup, on a été racheté donc par un club, on a 38 millions de budget. Et je vous montrerai vite fait ma liste prioritaire, donc il n'est pas encore fini. Donc, je ne vais pas tous les acheter. Donc, Kofi Didi, le Nantais, pourquoi pas 3 millions 4, c'est pas énorme, mais ça peut être pas mal. Facundo Caldoso, il a l'air vraiment pas mal l'Argentin, et après, on sait pas, Jeff Louis, enfin, on verra ça dans le prochain épisode. Là, on va juste faire le petit match contre Metz, assez important. On va faire jouer une équipe 2, une équipe 1, excusez-moi. On va le mettre en 4 minutes pour qu'on ait le temps de le faire, le match. Et c'est parti. Ouais, donc, voilà, on est plutôt pas mal, je trouve. Cette carrière, c'est plutôt... Elle est plutôt pas mal. Je vous dis qu'on a, galéré pour acheter les joueurs. Là, on a acheté Cosiello. Tu vois, genre, là, je trouve qu'on est pas mal. Tu vois, on achète Cosiello. Déjà, pour moi, Cosiello, au milieu de terrain, ça va nous faire du bien. Alors, bon. Devant, on est très fort devant. Même derrière, du Sissako. Pour moi, je trouve que c'est énorme le Sissako. Je trouve pour un club de Ligue 2, c'est déjà bien d'avoir un mec comme Sissako. Après, là, on a Sissako. On a Elder Costa. C'est des joueurs qui enrichissent le championnat donc, de France et de Ligue 2 surtout. Parce que le championnat de Ligue 2 qui est pas... Il n'y a pas non plus beaucoup de choix. Il y a beaucoup de joueurs français. Mais bon, depuis quelques années, on peut voir beaucoup de joueurs étrangers, beaucoup de joueurs africains en Ligue 2. Ce qui est bien en Ligue 2, c'est que du coup, ça, les joueurs étrangers, ça apporte un nouveau style de jeu au niveau des clubs de Ligue 2. Donc ce match, assez important parce que si on le perd, ben, on n'est pas dans la merde, on est presque. Parce que en perdant ce match, ça voudrait dire que tout simplement, c'est comme ils doivent monter. Metz en premier automatiquement, enfin je pense, hein, je dis ça, je dis rien, comme ils doivent être promus automatiquement, ça veut dire que si ils perdent 3 points dès le début de saison, ça sera 3 points qu'ils n'auront pas à la fin de saison, donc 3 points que nous, on peut avoir d'avance sur ça va être des points à prendre de suite, à ne pas laisser filer. Maintenant, on est l'équipe qui a le plus gros budget. Mon but, ça va pas être d'acheter des gros joueurs. De toute façon, acheter des gros joueurs, ça nous sert à rien. Enfin, moi, personnellement, ça va me servir à rien. Avoir un gros joueur et une équipe en bois, ça va me servir à rien. Pour moi, qu'on se lui fasse une petite équipe, plutôt bien sympa. Vendre les joueurs qui sont un peu vieux, mais bon, comme c'est... Mon but quand même, c'est pas de faire une équipe 100% moi, Mercato. C'est quand même de garder les racines, donc au niveau des joueurs. Et faire, comme je l'ai dit, c'est une carte assez réaliste. Donc c'est pas acheter des joueurs non plus, genre tu vois, je dis une bêtise, Zlatan Ibrahimovic avec l'argent, évidemment, je dis des bêtises. Là, je parle, imaginez, j'ai 2 millions, excusez-moi, j'ai 200 millions. Bon, je pense qu'il n'arrivera pas dans la carrière. Ne pas, voilà, acheter Zlatan. On sait tous que le club va préférer acheter des joueurs, mais pas un gros comme ça. Après, voilà, on peut dire oui, mais Falcao à Monaco, il y a quelques années, oui, mais je parle de Auxerre, Monaco, c'est un club qui a été racheté, on est d'accord. Monaco, c'est dans le luxe, et tu vois, genre, c'est une principauté déjà. Et là-bas, les gens qui sont pauvres, ils gagnent 7000 euros. Donc, bref, petite parenthèse, on va la fermer, celle-là. 0-0, là, le match, ça serait peut-être bien d'aller marquer. Diarra, tu as vu Elder Costa? Oui. Elder Costa, oh oui, non. Ah, Elder Costa, il est non blessé. Là, s'il est non blessé, faudrait racheter un joueur sur le côté. Ouais, il est blessé. Donc, racheter un joueur sur le côté. En plus, il avait augmenté de plus 1. Hein, je suis un peu deg. Bah, on va mettre Fumutamuso. Ouais. Moi, je l'aime pas trop. Enfin, j'ai déjà utilisé, mais.
il est pas très bon. Ouais, ça c'est un peu chiant quoi. Bon bah. Ah, faudra acheter un. Là je réfléchis, il faudra acheter un autre joueur. N'importe. Faut racheter un autre joueur parce que sinon. On va faire jouer directement le mec, donc le remplaçant. D'un côté, il va évoluer, donc ça c'est plutôt un bon point, mais d'un côté, ça veut dire qu'on a directement deux handicaps, un défense centrale et. Si on a blessé en défense centrale et un en attaque, ça commence à faire, je trouve, beaucoup de d'absents du côté auxerrois. Et ça, enfin, moi je pense que ça va nous pénaliser, je pense. Et si ça allez là, allez, accélération, beaucoup d'actions partent du côté de Sissako et Courté. C'est plutôt bien, je trouve que cette équipe auxerroise, elle est déjà, là elle est pas mal. Bon là, c'est pas non plus l'équipe de Monaco qui était montée en Ligue 1 il y a quelques années maintenant, mais bon, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Non, bon, c'est comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal, je vais refaire un épisode juste après. Concernant le mercato, on va simuler le match contre Laval donc dans le prochain épisode. Il y aura le mercato qui nous 38 millions. On va bien s'amuser, je trouve. Ouais, on va bien s'amuser. Allez, Fontaine, faut faire attention à cette équipe de Metz. Même s'ils ne montrent rien pour l'instant, une action, ils peuvent marquer un but. Nous, je pense pas qu'on est en capacité d'égaliser d'un coup. Enfin, au vu de nos performances actuelles. Au niveau de ce match, si, je pense pas qu'on soit en capacité de marquer, enfin de réagir directement après un but de la part des Messins. Et Silla qui est pas mauvais dans ce match, ah là la défense elle a pris l'eau, elle a pris l'eau. Voilà, on se prend le premier but. Ouais. Même le but est un peu chanceux sur la barre transversale, mais l'action. Il mérite de gagner sur l'action, enfin de marquer du moins sur l'action, donc non, il n'y a rien à dire encore une fois. Sur le but qu'on se prend, il n'y a rien à dire. Allez. Ah, le but, allez, bim. On égalise, bah, en fait, c'est. Là, je viens de me contredire. Il marque, j'ai dit, ouais, on n'est pas en capacité, on égalise. Coup d'envoi, on égalise. Bah, c'est plutôt bien, c'est Granic qui vient égaliser. Donc c'est plutôt cool. Par contre, ouais, comme je l'ai dit, là j'ai à voir ma télé dans la chambre et tout, les gars. Ça va, les épisodes et tout, ils vont partir, ils vont en avoir plein, les amis. Voilà, ça va être de la bombe. Du moins pendant ces vacances, je pense, on va sortir 2-3 épisodes. Donc en 2 semaines, 3 épisodes, c'est déjà pas bien, c'est déjà pas mal. Mais bon, c'est les vacances de Noël. Je pense, hein, j'ai pas dit que c'était sûr, en sortir beaucoup. Même si je mets pas tous un, presque tous un coup, c'est pas grave au pire. Mais voilà, je vais en mettre. J'ai dit au moins une vidéo par jour au niveau des vacances. Donc ça ferait 14 vidéos. Bon, une vidéo par jour. J'en ai déjà fait une hier. Donc là, je vous parle, on est samedi, le premier samedi des vacances. Samedi 19, donc voilà. Normalement, là vous devrez avoir le premier épisode de la Car Manager avec Auxerre. Il y aura 2 Car Managers avec le Borussia, peut-être. Bref, je vous en dis pas plus, les gars. On va voir ça. J'ai envie de voir peut-être un club en Italie aussi, peut-être. Et ça serait peut-être l'Inter. De Milan, un club que voilà, j'apprécie pas plus que ça, mais bon, j'ai connu depuis très longtemps. Pour vous dire, j'ai le match Marseille-Inter du Milan en 2010. J'aimais bien l'Inter, bon, après, elle a été comme l'OM, mais que je supporte. Mais j'ai vu un des clubs italiens, non, j'aimais l'Inter et la Juventus en Italie. Il a, même si c'est des clubs, peut-être ils sont assez opposés, mais j'aime bien ces 3 clubs là. Ouais, j'aime bien ces clubs là. Naples et la Sampdoria. Bon, beaucoup de clubs, on va dire en Italie. Hein.
Après, tu vois, moi, l'Espagne, c'est plus Barça et tout. Barça. Barça, ouais, c'est Barça. Bref. Les Sako. Oh là là. Par contre, si tu vois, on pourrait marquer un deuxième but, ça serait pas mal parce que en marquant le deuxième but, tu vois, on pourrait gagner un match. Tu vois, être à 6 points en 2 matchs. Et c'est pas mal. Bon, les corners, alors là, on peut peut-être faire quelque chose sur le corner, je ne sais pas, mais on va essayer Boubi, puis Grenier. Ouais, puis Grenier. Ça, on tente, tu vois, genre là, on n'a rien à perdre. Par contre, dans la contre-attaque, faut faire attention. Ouais, non, j'ai vu qu'il y avait un truc. Genre, le jeu, il a fait, je sais pas, un truc bizarre. Bref. Ah, oui, allez, Cosiello. Allez, Cosiello. Cosiello, faut qu'il tue Cosiello. Faut que tu ailles. Cosiello. Ah non. Panique. Putain non. Bon allez, c'est fini les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Donc je ne sais pas quand. Mais on se retrouve à la prochaine. Pour le prochain épisode. Allez, ciao.